caméraman ou... Ouais, t'es comme... J'ai engagé ma copine là pour filmer, c'est mieux ou pas les plans comparé à la dernière vidéo. D'ailleurs, salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Ouais, semaine dernière c'était mon entraînement haut du corps en superset. Aujourd'hui on va faire les jambes, je vais vous expliquer un peu. Donc je vais aller chercher Pimousse, juste avant je mange ça. Et j'ai aussi ce petit colis à vous montrer, je vais l'ouvrir après, je finis juste ça, je mange et on ouvre ça ensemble et on part et vous avez compris, c'est parti. Bon, comment elle fonctionne? T'as déjà essayé à la maison? Non, pas du tout. Déjà, les gars, elles se présentent comme ça. Je vous ai dit, c'est pas de la... Oh, le... gros, c'est lourd. C'est des beaux matériaux, tu vois, c'est pas de la merde. Ouais, ça pèse. Et, ah, bah, il y en a deux. Donc, c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là? Lui, il est un peu plus gros. Je pense. Bon, je prendrai le temps de lire tout ça, voir à quoi ça sert. Je pense que je vais prendre la petite. Et je crois que plus c'est lourd, plus ça bosse, non? Plus c'est dur. Bon, s'il y a des experts en corde à sauter dans les commentaires, n'hésitez pas. Bon, c'est surtout pour l'échauffement que j'utilise ou pour faire des petits circuits à la fin de training. Mais est-ce qu'avec ça, je vais mieux faire de la corde? Normalement, au niveau de la taille, on m'a toujours dit, si tu prends comme ça, faut que ça arrive au niveau des aisselles. Là, c'est bon, ils se sont pas trompés. Ah, si j'en fais mieux. Mais que toi, madame, là où il y a personne. Elle est incroyable au maintien, gros. Le squat, donc je mets les chaussures d'haltéro pour ça. On va cibler un peu plus les quadriceps, ça va être ça et on sera plus stable surtout. Donc on a les mêmes, hein. Pimousse il a triché, il a pris les mêmes en vert. Elles sont très très bien pour le prix, excellent. Ah. Donc bon, ça c'est sur internet, hein, vous tapez Adidas, vous allez trouver les gars. Pour moi c'est le meilleur investissement qu'il peut faire en musculation en termes d'équipement, c'est les chaussures. En plus elles sont pas super, super chères, elles sont à 100 euros. 100 balles, même pas, je les ai payées 88 en promo. Ah t'es bien. Bon, il n'y a pas de code de promo Fitness Fusion, mais par contre pour la corde à sauter, là vous en avez un. Donc je sais pas il est de combien, mais Fitness Fusion les gars, le code promo, et vous aurez des réductions là-dessus. Quoi? On commence à investir dans les trucs SBD. Toi, si tu veux faire un top 7. Ah, je vais le faire. Mais tu vois, je triche pas à fond, j'ai pas les écouteurs. La musique, ça fait la diff. Hein. On va les mettre là, parce que j'ai senti ça commencer à devenir dur. Prochaine étape, bande, ceinture, écouteurs. Inarrêtable. Et tu vois, là, ça fait quelques semaines, je commence à re-kiffer à faire du squat. À un moment donné, j'étais dégoûté, parce que je voyais que je faisais des pertes de merde. À chaque fois, j'ai retourné, j'avais des petites douleurs, tout ça. Et là, je commence à réapprécier, à progresser dessus, tout ça, je me sens bien à chaque séance. Où il va me falloir quoi? Commencer à bien envoyer. Et pour vous, ça va aller vite, hein, parce qu'une semaine sur deux, c'est l'entraînement de Pimousse. Et je vais pas montrer que des 100 jambes à chaque fois. Ils sortent d'où ça? Je les avais achetés quand je voulais faire des grosses pertes au squat. Je crois que je me suis blessé après. Du long, généralement, même les barres de sécurité, là, je les monte. Moi, s'il arrive le moindre souci, je peux tomber. Là, si je tombais, j'étais foutu. Non, tu te baisses, elle va tomber. Hein. Ouais, mais faut la régler à ta taille. 140. On va s'arrêter là pour le squat. Tiens, on va passer au fond de bulgare. Là, ça va. Grosse force à toi. Ah. Je préfère arrêter la muscu que faire des fentes de bulgare. Ah, pas photo. Alors, on va faire 3 séries à 12 répétitions. Faut que ça, là, ça va chauffer, là, ça va brûler. Là, je vais monter à combien, là? 12. Et ça brûle déjà. J'ai jamais compris les gens qui arrivent à mettre des 30 kilos par main au fond. Faut t'entraîner. Je n'ai jamais compris. C'est pas du développé couché, hein, c'est des fentes. Hein. Non, je. Rien à rien, je préfère les pecs. Non, c'est juste pour me mettre en place. Jambes tendues, pied devant, hop. Et au moins, t'as la bonne distance. Je savais pas ça. Je crois.
T'as dit quoi? Si on va commencer à se mettre tout nu, je crois. Bah, mets-toi un t-shirt, t'auras moins chaud, t'auras une des meilleures perfs. Oh. Ah, mais vous me traitez. Ça va être encore un pincement. T'as encore un débardeur? Allez. Ah, elle a bu. Merci à Fitnessmark qui nous accueille pour tourner ce genre de vidéo. C'est grave. À chaque fois, on vient. C'est comme chez nous ici maintenant. On a le droit de filmer. Que ce soit Arras ou Hénin, ils sont super sympas avec nous. Tu vas faire les mollets après? Non. Extension, voilà, un classique. Moi je te dis, c'est séance facile aujourd'hui. On reprend doucement, faut pas s'écœurer en fait. Quand vous êtes blessé comme ça, revenez pas avec les séances que vous faisiez avant. Revenez avec une séance légère, avec moins de séries, avec des exercices que vous aimez. Voilà. Quitte à faire que 3 exos, 3 séries par exo. C'est ça, quitte même à séparer la séance en 2 séances sur la semaine. Bah, moi là, c'est ce que je fais. Je fais 2 séances jambes et je fais 3 à 4 exercices maximum. Et au moins, au final, t'es dans ta tranche après. Hein. Ah, voilà, même volume d'entraînement. Tu fais 4 fois 8, 16, 32. 32, ça fait 32 séries pour le muscle en question. C'est largement suffisant par semaine. Ça. Je crois, c'est quoi? C'est 24 séries semaine normalement, un truc comme ça, non? Ouais, ça dépend des gens. Entre 21 et 24. 24 pour les gros groupes musculaires. Oh, t'es large. Super set. Leg extension. Combien de séries? Leg curl. 4 séries on va faire. Ah. Et faut que ça brûle, c'est tout. Il n'y a pas de nombre de reps et tout. Déjà, on fait que 4 exercices. Tu comptes pas les reps? Non. Faut que ça chauffe. Ah, c'est vraiment vrai, c'est des séances bien adaptées pour en faire 2 semaines. C'est parfait comme séance. Ah, c'est ça, là, c'est parfait. Faut que je réapprécie de travailler les jambes. En fait, comme là, tu vas pas chercher beaucoup d'exos polyarticulaires, tu ne mets pas dans un mal extrême. Bah, ça va. C'est exactement ça. Faut raser les jambes. Hein. Ouais, je vais aller m'épiler la chatte aussi. La pire machine de tous. Hein? La pire machine de tous. Parce que ouais, pour le setup, il pue la merde, tu glisses. Oh. Je la déteste. Et c'est bizarre de travailler un muscle sur lequel on a appuyé. En plus. Tu vois? J'ai du mal à le sentir. Enfin non, le sentir, je le sens. Le problème, c'est justement, je sens trop l'étirement. J'ai l'impression que la fibre, elle va éclater à chaque fois. Je préfère faire du soulevé de terre jambes tendues pour les ischios, au moins. C'est plus difficile à cibler. En soulevé de terre jambes tendues? Ouais. Je les sens super bien, moi. Je vais sentir les lombaires. Après, c'est une question de point fort, chaîne postérieure aussi. Exactement. Je vais c'est de la branlette, là. Il fait genre, il a du mal, c'est de la branlette. Là, on va le monter, hein, série par série. Je te jure, je sens des douleurs bizarres à chaque fois que je fais celui-là. T'as déjà eu une crampe en faisant les jambes ou pas? Possible, je m'en souviens pas. J'ai attrapé une crampe au mollet à cause de la machine là, moi c'est pour ça que j'ai arrêté de la faire. En fait, faudrait que les cuisses, elles soient dans les airs. Tu vois, si tu les mets comme ça, au moins t'es pas appuyé dessus. Mais après, l'ischio il s'insère jusqu'à la fesse, donc quand il arrive, je serai appuyé dessus. Mais j'essaierai pour la deuxième série de cette manière. Je sais que les influenceurs ils aiment bien inventer des exos, on va en inventer nous aussi. On s'entraîne comme des chemettes. On revient avec des séances, mais les séances elles se dégagent, les gars. Dernière semaine de sèche, je vous promets, vous allez avoir des vrais trainings. Activez la cloche, ça arrive. Et au moins, vous voyez d'où on part. Il y aura une phase de progression parce que tous les deux on a perdu en force. Excuse-moi, mais tu travailles les jambes ou les bras? Pourquoi? Ça congestionne. Bah, j'ai l'impression que oui. Et voilà. Se met tout nu pour rien, c'est trop grave. Eh, vous me croisez dans la rue, ne me dites pas que je suis musclé les gars. Genre les phrases du genre ouais t'es plus musclé en vrai qu'en ville. Je dérache. Au fait, je me suis mis tout nu, j'ai même pas fait ma deuxième série. Ouais, c'est vrai. Moi j'en ai rien à foutre de me faire prêter sur les réseaux. Je teste. Il n'y a qu'en essayant qu'on sait. Non. On dirait il est en lévitation. Ouais. Non, le problème c'est qu'il y a un mouvement de hanche comme ça, du coup il y a d'autres muscles qui interviennent. Bon, je vais cacher une séance sur le fer. Vous allez voir les jambes. Donc au niveau des mollets, vous voyez qu'ils sont très développés. Il faut encore que je rattrape un peu le quadriceps, mais au niveau des ischios, c'est pas mal. Donc vous voyez des séances comme ça, trois exercices. Là les gars, sérieusement, je vous montre les jambes. Bon, elles sont arquées, c'est pas les plus belles jambes de figuier. J'ai des bons quadriceps, vous allez voir, même si là, même ça faisait un moment que j'étais pas vraiment sur le top. Et j'ai surtout un fait ischio et fessier. Je sais pas, au moins, vous voyez tout. Il y a du volume. Au niveau des ischios, je ne sais pas comment ils font. Voilà. Oui, il y a du volume. Le gros du travail, c'est de la faire. Les fessiers, j'ai même pas besoin de vous montrer. Il y en a plein. Il y en a pas. Il y a 6 formes de fesses, j'ai la plus dégueulasse. Vous avez en I comme en H,
en V, en inversé et tout, j'ai le inversé dégueulasse. Donc après, moi je suis un mec, ça me dérange pas d'avoir un petit cul, c'est la personne qui m'entraîne pas. Mais bon, j'ai quand même été gâté le haut du corps, tout ça, j'ai des points forts de charger, mais les jambes, c'est pas mon truc. Bon, oubliez pas tous nos codes de réduction, les gars, ça nous aide à poursuivre la chaîne YouTube. Donc les gars, aidez-nous, le like c'est gratuit, ça augmente le référencement, le commentaire c'est pareil, les codes de réduction sont tous en description, et sur tous les programmes si vous voulez avoir le même torse que Didio. Force et fun.